Et salut tout le monde, c'est PatoBonimi, on se touche du coup une toute nouvelle vidéo. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler de mon nouveau système de commentaires YouTube. Donc même si beaucoup de YouTube le font moi quand même, pour vous dire déjà que c'est assez bizarre quand même, que vous ayez lié avec le commentaire nouveau. Donc déjà, maintenant on peut plus répondre aux commentaires parce qu'il y a... Sinon, mais des petites annonces de Google Plus qui sont très énervantes, les notifications. On peut même plus répondre, enfin, même si notre vidéo ne peut pas répondre. Les commentaires sont liés aux notifications de Google Plus, c'est-à-dire que chaque vidéo, c'est mais si la personne a publié à. Je sais pas, je suis sur une vidéo d'un youtubeur, ça me dit tata à publier ça sur Google Plus. Aussi, un très mauvais truc, c'est l'intégration de liens. Que les liens on peut les mettre maintenant, ça veut dire avant qu'on mettait un lien YouTube ça marchait pas, fallait rajouter genre modifier des trucs et dire rajouter ça. Maintenant on peut mettre directement un lien dedans, ce qui est dommage. Et aussi évidemment comme vous avez vu sur commentaire, les réduire ce commentaire et développer ce commentaire où les gens s'amusent à cacher les liens ou pas. Mais surtout les trucs à ne pas cliquer, c'est qui je cherche vite fait. Enfin, quand les gens disent là, voilà, non, pas quand ils disent lire la suite ou qu'ils disent ni développer ce commentaire, c'est un message en dessous qui est différent de traduire, répondre ou autre. Qui mène dans le lien d'une vidéo YouTube, ou alors un peu de temps, c'est des vidéos, c'est plus des screamers. Donc là, bon, je n'ai pas, bon, je sais plus le message, mais c'est autre chose que des vidéos plus. Donc voilà, c'est très énervant, ils ajoutent ça. Franchement, c'est. Donc moi je laisserai quand même mes commentaires activés. Donc certaines choses je le fais comme Aurélien Simage, je sais que Mister X va être sûrement désactivé aussi. Vous avez une vidéo il a dit. Mais sinon moi je laisse activer pour tout commenter, j'essaie de répondre aux notifications si possible. Mais par contre, tout à l'heure j'ai trouvé un truc assez utile pour pouvoir essayer d'empêcher ça. C'est une pétition, donc le lien est dans la description. Vous avez juste à cliquer dans le lien et c'est aussi simple que cela. Comme ça, peut-être qu'on va mettre un système de compteur YouTube sans doute plus stable et l'ancien, ou même voir tout simplement des commentaires classiques. Donc aussi si vous voulez quand même laisser des commentaires, laissez un j'aime sur la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.